L'intention de recherche à deux niveaux, c'est tout de suite ce qu'on va voir dans ce podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast de LWeb, le podcast qui parle du web en général. Et aujourd'hui, on va voir un des éléments clés, pour 2021, c'est de maîtriser les intentions de recherche à deux niveaux. Alors, je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Et vous allez voir, c'est très très simple en fait, mais il faut y penser. On peut constater déjà qu'un contenu qui ne correspond pas à ce que recherchent précisément les internautes pour une requête, ce sera totalement exclu du top 10. Pourquoi ? Parce que si vous avez un mot-clé ou un article qui ne reflète pas du tout ce que les internautes souhaitent, Google, il va vous saquer. Donc, il n'a qu'un but, Google, hein. Il faut bien retenir ça, c'est de servir les internautes le plus précisément possible, de leur donner exactement le contenu qu'ils recherchent, et c'est là où justement l'intention de recherche est un élément incontournable. Et vraiment, il va falloir la maîtriser. Mais il y a un petit problème, ou peut-être un gros problème, c'est que la majorité de ceux qui font des recherches de mots-clés font une analyse de mots-clés de niveau 1. C'est-à-dire que le niveau 1 est déjà une bonne chose à faire, mais si vous voulez être sûr d'être en première page, il va falloir faire une intention de recherche de niveau 2. Alors, rapidement, le niveau 1, c'est quoi ? C'est les intentions de recherche en fonction du type de mots-clés. Rappelez-vous, il y a des mots-clés informationnels, des mots-clés commerciaux et des mots-clés transactionnels. Alors, informationnel, ça va être un article de blog, par exemple. Commercial, ça va être des articles de blog commercial d'investigation, on appelle ça, qui vont comparer deux produits, par exemple, ou etc. Et transactionnel, ça va être une page d'un site e-commerce. Okay, donc, ces types de mots-clés, je les développe dans ma formation Nectar SEO et dans quelques... Vous pouvez voir d'ailleurs, je crois qu'il y a un article, il y a une vidéo qui est gratuite, je crois, sur pour tester Nectar SEO, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et où j'explique justement tous ces types de mots-clés. Et donc, si par exemple, je prends acheter une micro SD, acheter une calculette, acheter enfin, un ordinateur ou quoi, ou acheter un micro, voilà. Sans surprise, c'est très facile, qu'est-ce qui va sortir ? Il va sortir des pages de e-commerce, ok ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans un mot-clé transactionnel. Voilà. Maintenant, si je prends une expression de mot-clé, mais qui peut avoir un peu un double sens. Par exemple, comment lancer un programme en ligne ? Ou comment lancer un article en ligne ? Ou quelque chose comme ça. Enfin, il faut qu'il y ait le mot programme. Comment lancer un programme fidélisation, comment lancer un programme. À partir du moment où il y a ça, ça peut être ambigu pour Google. Pourquoi ? Parce que même si vous faites un article de 10 000 mots, un truc ultime où vous donnez tout, comment programmer, comment lancer un programme de fidélisation ou quoi, peu importe, ou d'article, etc. Même si vous faites vos 10 000 mots, qu'est-ce qui va se passer si vous vous amusez à faire la recherche sur Google ? En fait, Google, lui, va comprendre comment lancer un programme depuis n'importe où, comment lancer des programmes en ligne de commande. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire qu'il y a un double sens dans votre mot-clé, parce que lui, va comprendre que c'est des trucs de invite de commande, de Windows, etc. Et ça va être une exécution de programme, ça va être tout ça. Il va comprendre ça. Et donc, du coup, c'est ambigu pour Google. Et votre article ne sortira jamais, même si vous avez fait quelque chose de super. Et donc, vous ne serez jamais visible dans ce mot-clé-là. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que quand vous allez faire votre analyse de mots-clés, il va falloir faire attention à bien choisir ces mots-clés de niveau 1, déjà. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour trouver votre intention de niveau 2, déjà, il va falloir vous dire, ok, je vais écrire un article sur, par exemple, en ce moment, je suis en train
Je suis en train de donner des cours de création de BD, en tout cas d'histoire, etc., pour un projet avec des élèves. Et donc, ça pourrait être une recherche, je vais faire une analyse de comment écrire un scénario, comment raconter une histoire, etc. Et je vais m'apercevoir que quand je tape ça sur Google, donc ça va être ma commande donc, informationnelle, d'accord, type de mot-clé informationnel. Et je vais regarder qu'est-ce que me sort Google quand j'écris ça. Et en fait, on va s'apercevoir qu'à partir du moment où je mets comment raconter une histoire, je vais m'apercevoir que l'information de niveau 2, il va y avoir rapidement comment raconter une histoire rapidement, comment maîtriser les étapes d'une histoire en 24 heures, comment écrire un livre en 30 jours, etc., etc. Donc, il y a cette notion de temps, il y a cette notion de rapide, il y a cette notion de efficace, il y a peut-être aussi cette notion de liste, les 7 étapes pour raconter une histoire, etc. Et c'est ça l'intention de recherche niveau 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire simplement comment raconter une histoire, ça va être comment raconter une histoire en 24 heures, comment raconter une histoire rapidement, comment maîtriser les 7 étapes d'une histoire, par exemple, etc., d'un scénario, de bande dessinée. Voilà, c'est ça l'intention de recherche de niveau 2. Et si j'avais pas fait cette analyse de recherche de niveau 2, j'aurais pu avoir un super site, un super site complet, je ne serais peut-être pas sorti dans cette première page de Google, par exemple. Okay. Alors là, à l'heure où j'écris, où je parle de ce podcast, je n'ai pas écrit d'article là-dessus, c'est en projet, mais voilà ce qu'il faut faire attention. Comment, par exemple, on pourrait dire comment rédiger 50 articles en 30 jours ou quelque chose comme ça. Okay? Il y a vraiment cette intention de recherche de niveau 2. Il faut aller voir au-delà du niveau 1. Et c'est très important parce que si vous ignorez l'intention de recherche niveau 2, c'est suicidaire. Et vous aurez beau avoir un site populaire qui possède des pages autoritaires, de contenu, etc. Même si c'est super bien optimisé, si les pages elles ne répondent pas très très précisément, mais vraiment j'insiste très très précisément à ce que recherche l'utilisateur, vous ne serez jamais en première page Google. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de mal à y arriver rapidement. C'est pour ça que l'intention de recherche de niveau 2 est vraiment importante. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, juste le niveau 1, ça ne suffit plus. Et pour 2021 et les prochaines années, à mon avis, il va falloir passer au niveau 2. Donc, rajouter un petit peu ces adverbes, rajouter ces notions de temps. Alors là, pour l'écriture, c'était ça, mais ça pourrait être autre chose. Donc, quand vous faites votre analyse de mots-clés, pensez bien en termes de niveau 2. Voilà ce que j'avais à dire sur les intentions de recherche. C'est très important. Sinon, moi je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis un organisme de formation et évidemment vous pouvez aller regarder un petit peu ce que je fais. Il y a énormément de contenu gratuit sur ma chaîne YouTube, mais il y a également des formations que vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse de vous former sur la création de sites internet, le référencement naturel, sur comment écrire un article de blog efficace, etc., etc. Je vous laisse aller voir tout ça sur elweb.fr. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Bonne journée à vous, ciao!